vous le détective dont j'ai entendu parler? Qui a dit que j'étais détective? Madame Avery m'a dit que quelqu'un venait d'arriver sur l'île et que cette personne enquêtait sur une disparition. Il doit forcément s'agir de vous. On dirait que les nouvelles vont vite par ici. Je n'ai pas réussi à trouver le moindre agent de police. Où sont-ils, ces rustres? Je ne voudrais pas semer la panique, mais il se pourrait que nous ayons un meurtre sur les bras et nous aurions besoin d'un œil extérieur. Où est-ce que le crime s'est produit? À l'hôtel Cliff's Edge, juste au nord de la ville. Je vous en prie, vous devez nous aider. Chaque minute perdue met un peu plus notre clientèle en péril. Qui est la victime? Nous ne voudrions pas que la presse à scandale la prenne, mais il s'agit d'Ezra Parker, le financier de l'hôtel. Voulez-vous bien nous aider à résoudre cette horrible affaire? Qui sont tes employeurs? Je ne devrais pas vous en parler ici, mais mes employeurs sont fort aisés, tout comme les autres clients de l'hôtel. Voulez-vous bien nous aider? Il y a peut-être encore un meurtrier en liberté. D'accord, je vais t'aider. Oh, merci. Voulez-vous bien me suivre jusqu'à l'hôtel Cliff's Edge? D'accord, allons-y. Dans ce cas, en route. Vraiment que le personnel de l'hôtel arrange la réception. Je dois vous prévenir que certains clients de l'hôtel sont quelque peu turbulents. J'ai été contrainte de me défendre quand quelques-uns d'entre eux se sont montrés un peu trop agités. Heureusement, nos chers clients vivent dans une aile de l'hôtel qui leur est réservée. Ils n'ont rien en commun avec cette racaille. Pouvons-nous y aller? Comment ça, les autres clients sont turbulents? Je n'étais pas allée dans cette partie de l'hôtel depuis un certain temps. Peut-être y a-t-on organisé une compétition sportive qui les rend particulièrement excitables.
plusieurs d'entre eux ont tenté de m'attraper et... disons que leur tenue n'était pas appropriée du tout. Pouvons-nous y aller ? D'accord, allons-y. Très bien, par ici. Que ça peut servir. Ça devrait pas être blanc. Ça a transpiré une goutte. Remarquez, c'est pas comme si c'était possible.
pas. C'est un peu trop bien, je trouve. L'ascenseur conduit à l'aile réservée de l'hôtel. Sachez que c'est un privilège. Bonjour et bienvenue dans l'abri 118, votre nouvelle maison souterraine. Êtes-vous le détective que nous avons fait demander? Oui, je suis le détective. Oh Dieu merci. Laissez-moi vous ouvrir la porte. Devient le plus.
il serait temps que la police envoie quelqu'un mener l'enquête. Nous accueillons de nombreux hôtes importants et ils sont très inquiets. Que s'est-il passé? Qui est mort? C'est Monsieur Parker, le propriétaire et financier de l'hôtel. C'est une catastrophe. Cherchez des indices sur la scène du crime et nous pourrons ensuite parler de vos découvertes. Vous ça pouvez interroger les résidents, mais leur sécurité reste notre priorité. Alors évitez toute accusation à moins d'avoir des preuves solides. Vraiment de mon frère. Excuse pour ces cris, mais un détective est arrivé et va mener l'enquête. Avant que je vous réponde, comment vous vous sentez? Je tiens le coup, ne vous inquiétez pas. Faut juste que je réfléchisse à tout ça. Honnêtement, je ne sais pas quoi penser, Nick. Ouais. Alors on est deux. Je me suis longtemps demandé si l'Institut avait fait d'autres prototypes. Si j'étais juste un échec, ou s'ils avaient abandonné ou délaissé le sujet. J'ai toujours pensé que j'étais la somme de leurs erreurs mises à la poubelle. Mais je n'aurais jamais cru que quelqu'un veuille m'aider à m'échapper. Il doit bien y avoir une sorte de preuve quelque part, qui montrerait ce qui s'est passé entre moi et Dima. Si ça vous dérange pas, j'aimerais qu'on garde l'œil ouvert pour ça. Quel genre de preuve est-ce qu'on cherche? Je ne sais pas. Mais notre meilleure chance est de continuer à fouiller l'esprit de Dima et Acadia. Bien sûr, Nick. Nous trouverons quelque chose. Merci. Je sais que ce n'est pas une priorité pour vous, mais pensez à moi si jamais vous trouvez quelque chose qui pourrait nous apporter des réponses. Vous revoilà, inspecteur. Autre chose ? Vos résidents sont des robots? Pas des robots, détective. Enfin, pas vraiment. Je crois que le terme exact est cérébrobot. Avant la guerre, les résidents ont décidé que la meilleure façon de survivre était de transférer leur cerveau dans des châssis robotisés. Autre chose? Je sais pas trop par où commencer. Vous devriez sans doute trouver comment il est mort, puis qui avait les moyens et le mobile pour le tuer. Quand vous aurez suffisamment de preuves, il faudra sans doute confronter le tueur. Autre chose? Parlez-moi de la victime. Monsieur Ezra Parker était le premier propriétaire et investisseur de l'hôtel. Il possède une solide expérience en gestion de projets financiers d'envergure dans le monde entier. C'est lui qui a incité les clients privilégiés à investir dans la section abri de l'hôtel. Il a travaillé avec Voltec pour le construire selon leurs spécifications. Autre chose? Oubliez ça. Si vous avez besoin de moi, je suis là. Est-ce que c'est... du sang? On dirait que la boîte crânienne a été défoncée. Baseball. Qu'est-ce qu'elle fabrique ici? De la peinture rouge? Vous revoilà, inspecteur. Autre chose? J'ai trouvé l'arme du crime. Oh non!
C'est la batte du film de Monsieur McKinney. Vous ne croyez pas qu'il pourrait être impliqué quand même? L'imaginer faire une chose pareille, c'est impensable. Autre chose? Oubliez ça. Si vous avez besoin de moi, je suis là. Là comme un piqué alors qu'il te draguait. Et maintenant, nous avons la justice au bras. Qu'est-ce qu'on va faire? Partons. Fuyons le sombre terrier qu'est cette ville. Demain, nous pourrons être à Buenos Aires. Oh, j'aimerais tellement te croire, mais ils ne nous laisseront jamais partir. Alors, nous nous défendrons. J'ai une arme pour chacun d'entre nous. Non. La réplique, c'est... Alors, nous nous défendrons. Les deux amants, côte à côte. D'une balle pour chacun d'entre eux. C'est pas possible. Je la retiendrai jamais. Arrêtons là, j'ai pas la tête à ça. Ah, oh, d'accord. Je vais à la plage, alors. Bonjour, inspecteur. Puis-je vous aider? Vous avez des questions à propos de l'affaire? J'ai retrouvé votre batte de baseball sur la scène du crime. Vous savez comment elle a pu atterrir là? Quelqu'un essaie clairement de me faire porter le chapeau. C'est sûrement Santiago. Vous l'avez vu rôder sur la scène du crime. Que faisiez-vous avec Gilda à mon arrivée? Oh, nous répétions simplement une scène. Rien de bien méchant. Vous avez des idées concernant ce meurtre? Il est évident que c'est Santiago. Il n'arrête pas de tourner et virer autour de la scène du crime. Peut-être plus tard. Ok, dites-moi ce que je peux faire. Sans lui, nous ne serions rien de plus que des animaux. Les chiens et les éléphants peuvent étaler de la peinture sur une toile. Qui nous dit que chacune de nos actions n'est pas le dernier soubresaut d'une créature qui n'a pas encore réalisé qu'elle est déjà morte? Venez avec moi. Dites-moi, que vous inspire ce tableau? On dirait un visage. Cette tache, c'est un œil. Cette masse rouge, ce sont les cheveux. Et... elle tire la langue. Absolument. C'est ma dernière toile d'une série de portraits de Gilda. Numéro 1378. Son paysage émotionnel est superposé au portrait. La réalité du sujet est distordue par son ego qui tente de s'y projeter. Par ici. Dites-moi, que vous inspire celui-ci? J'y vois la guerre. Des bombes, dans toutes les directions. Pas de haut ni de bas. Le monde est sans dessus-dessous. Que votre interprétation est littérale. Je vous ai demandé ce qu'il vous inspirait, pas ce que vous y voyez. Il faut passer au niveau supérieur. Et celui-ci?
soyez honnête, hein? Car l'art sans honnêteté n'est que politique. On peut parler du meurtre? Vous en aurez tout le loisir. Nous avons un plus gros problème à régler. Je ne vous cacherai pas que c'est ma meilleure vente. J'ai réalisé cette série sous un pseudonyme. Cela va sans dire. Cette série m'a rapporté plus d'argent que n'importe quelle autre de mes œuvres. Alors que je l'ai faite toute dérision. Qu'est-ce que ça vous indique de la valeur de l'art pour le commun des mortels? Oh, encore vous. Vous avez enfin décidé de vous cultiver un peu. J'ai trouvé de la peinture rouge sur la scène du crime. Quelque chose à dire à ce sujet? Eh bien non. Ezra a emprunté mon dernier pot et je n'arrive plus à mettre la main dessus. Je crois que vous devriez m'expliquer pourquoi vous retournez sans cesse sur la scène du crime. C'est pour l'inspiration, détective. Les autres n'aiment pas y penser, mais même nous mourrons un jour. Tout comme la torche de Prométhée. Cette scène embrase en moi le feu de l'art qui me pousse à créer pendant le temps qui m'est imparti. Il paraît que vous avez fait de nombreuses peintures de Gilda. Pourquoi elle? Notre Gilda est une créature singulière, détective. Ne voyez-vous pas la joie de vivre qui bat en elle? Je n'avais jamais rencontré quelqu'un qui s'accroche autant à la vie, qui vit le moment présent à fond. Je dois avouer qu'elle m'a ensorcelé. Vous êtes toujours amoureux de Gilda, pas vrai? Et alors? En quoi ça vous regarde? Elle mérite quelqu'un qui comprenne véritablement sa beauté éphémère. Pas un acteur stupide. Vous avez des idées concernant ce meurtre? Vous devriez vous intéresser à Juliana Riggs. Cet inculte ne saurait pas faire la différence entre une œuvre d'art et ses propres excréments. Ils ont eu une véhémente dispute récemment avec Ezra. On entendait ses hurlements de sorcière depuis l'hôtel. Peut-être plus tard. Merveilleux. J'espère que mes peintures vous ouvriront les yeux et l'esprit. Vous avez des idées concernant ce meurtre? Ah, ce n'est pas vraiment mon domaine d'expertise. Mais je suis certain que vous trouverez d'autres indices sur la scène du crime. Autre chose, inspecteur? J'ai entendu dire que Juliana et Ezra s'étaient disputés quelques jours avant sa mort. Dites-moi plus. Eh bien, j'étais dans mon labo, donc je n'ai rien entendu. Mais Juliana s'est toujours montrée très critique envers Monsieur Parker. Je crois qu'elle avait trouvé quelque chose dans le bureau du superviseur. Je n'écoutais pas vraiment quand elle m'en a parlé. J'étais plongé dans mes recherches. Franchement, je n'en sais rien. Je la laisse gérer tout ce qui touche à l'argent. Autre chose, inspecteur? Parlez-moi de vous. Eh bien, je suis scientifique. Vous avez sans doute rencontré ma femme, Juliana. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Autre chose, inspecteur? Peut-être plus tard. Très bien. Dans ce cas, je retourne à mes affaires. Juliana. Monsieur Moussa, bonjour, inspecteur. Vous aviez une question au sujet de cet odieux meurtre? C'est Scroofy. Tu te souviens? Vous avez des idées concernant ce meurtre? Si vous voulez mon avis, c'est l'un de ces acteurs. Ou ce mauvais peintre. Ces gens sont toujours source de problèmes. On m'a dit que vous aviez eu une grosse dispute avec Ezra il y a quelques jours. Vous m'expliquez? Oh, ce n'était pas grand-chose, vraiment. Il voulait plus d'argent pour payer les réparations de l'hôtel. Je ne me sentais pas très bien ce jour-là et je me suis un peu trop emportée. Pauvre homme, j'aurais dû plus l'écouter. Tout ce bric-à-brac, c'est quoi? Ce sont nos biens. Nous attendons simplement la fin de la guerre pour les rapatrier dans notre demeure. Parlez-moi de vous. Je suis Juliana Riggs, héritière de la fortune Riggs et épouse de Bert Riggs. Je ne sais pas à quoi vous vous attendiez d'autre, détective. Peut-être plus tard. Bonne chance pour attraper le tueur, détective. Oh, bien sûr. Quelle idiote. Ça m'étonnerait qu'ils arrivent à récupérer la caution. Et je suis sûr de pouvoir réparer ce... Non! Non. J'ai juste attrapé un autre rhume, c'est tout. Je sais pas.
temps de nos jours qu'ils voient que la violence est une solution. Tu n'es pas médecin. Je dois regarder autour de nous pour voir en général. Les travaux pour la construction de la deuxième aile de l'abri se sont complètement arrêtés. Il semblerait que le financement ait cessé dès que les zones de première nécessité de l'abri ont été terminées. Mes superviseurs m'ont informé qu'ils n'ont reçu aucun paiement de M. Parker, et Voltec ne poursuivra pas la construction de sa poche. J'ai été voir Ezra plusieurs fois concernant les finances, mais tout ce qu'il me dit, c'est que Mme Riggs n'a pas transféré les fonds. Mais quand je vais demander à elle, Juliana m'a affirmé qu'elle venait de donner à Ezra suffisamment pour mettre de la peinture dorée dans les pièces. J'ai engagé un enquêteur pour quelques semaines, pour qu'il vérifie qu'il n'y a pas d'escroquerie quelque part. On dirait bien qu'Ezra a arnaqué ses investisseurs. Bonjour, inspecteur. Puis-je vous aider? Vous avez des questions à propos de l'affaire? Oubliez ça. Ok. Dites-moi ce que je peux faire. Voilà, inspecteur. Autre chose? La porte du bureau du superviseur est fermée. Oh oui. Monsieur Parker l'a verrouillée il y a quelque temps après avoir découvert qu'un autre résident était entré à l'intérieur. Il a dit que c'était dangereux. Si la clé n'est pas sur lui, elle est probablement dans la chambre de Monsieur Parker. Autre chose? Oubliez ça. Si vous avez besoin de moi, je suis là.
enfin décidé de vous cultiver un peu. Pour quelle raison Juliana et Ezra se disputaient-ils? Je l'ignore. Je baignais à ce moment-là et j'essayais d'en faire abstraction. Mais je parie que Gilda les a entendus. Vous devriez peut-être lui parler. Oubliez ça. Si Juliana agissait bizarrement ces temps-ci. Je suis probablement un peu parano, mais elle est beaucoup plus agréable à vivre ces temps-ci. Enfin, je veux dire, c'est super, mais c'est également un peu étrange. La plupart des gens ne nous comprennent pas, mais j'ai toujours apprécié la manière dont elle gère les problèmes. C'est ce qui m'a permis de me concentrer sur mes recherches. J'ai peur que quelque chose lui soit arrivé. On dirait que ce n'est plus la même personne. Autre chose, inspecteur. Que voulez-vous dire par Juliana n'est plus la même personne? Ma femme a toujours eu un caractère très fort, détective. Je ne sais pas qui se trouve dans notre chambre, mais je peux vous assurer que c'est quelqu'un d'autre. Autre chose, inspecteur. Vous avez des idées concernant ce meurtre? J'ai plus envie d'en parler. Laissez-moi. Parler du meurtre? Oh là là! Dans le genre rabat-joie, vous vous posez là. Oui, nous pouvons discuter du meurtre. Mais j'ai aussi des histoires croustillantes de ma carrière d'actrice. Je dois reconnaître que vous êtes une sacrée actrice. Je n'y peux rien. C'est un don naturel. Mes histoires vous intéressent, inspecteur? Vous avez déjà fait de la radio? Votre voix est charmante. Eh bien, mon chou, jouez bien vos cartes, et je vous susurrerai peut-être un secret à l'oreille. Ce sont sans doute mes histoires salaces qui vous intéressent. Je dois reconnaître que je connais des femmes de chair et de sang qui ne vous arrivent pas à la cheville. Continuez comme ça, mon chou, et nous verrons si vous avez ce qu'il faut pour une femme de ma trempe. Mes histoires vous intéressent, inspecteur ? D'accord. Saviez-vous que sur le tournage de La Nuit du Retour des Hommes-Poissons, Cynthia Marsh a fait une terrible allergie à son costume? Il vous fallait autre chose. Apparemment, Juliana a eu une grosse dispute avec Ezra quelques jours avant qu'il meure. Avez-vous entendu cette dispute? Oh, oui, je n'avais pas vu une femme s'énerver autant depuis que Teresa Dubois a fait renvoyer sa costumière. Mais pour en revenir à votre question, c'était la folie, détective. Apparemment, elle s'est rendue dans le bureau du superviseur pour vérifier quelque chose et elle l'a trouvée dans un état déplorable. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, on dirait qu'elle y a découvert quelque chose qui l'a mise dans une colère noire. Mais impossible d'entendre quoi. Il vous fallait autre chose.
J'ai retrouvé la batte de baseball de Kiss sur la scène du crime. Vous savez comment elle a pu atterrir là ? Je ne sais pas, détective. J'imagine difficilement Kiss tuer Ezra. Il vous fallait autre chose. J'ai l'impression que vous avez eu une liaison avec Santiago. Écoutez, j'aime Kiss de tout mon cœur. Mais il n'arrive pas à me donner toute l'attention dont j'ai besoin. Je me sens si seule, inspecteur. Ça n'a duré que quelques dizaines d'années. Cet homme est trop intense, même pour moi. Il vous fallait autre chose. De quoi parliez-vous avec Kiss à mon arrivée ? Oh, ça ! Nous répétions. Nous devons entretenir notre don si nous voulons reconstruire Hollywood. Mais Kiss ne fait rien de bon quand il est contrarié. Il vous fallait autre chose. Vous avez des idées concernant ce meurtre ? Enfin, c'est bizarre la manière dont Santiago est obsédé par ce meurtre. Il a toujours été un peu obsessionnel, mais bon, il a fait toute une série de portraits de moi, des centaines même. Il a dit que j'étais sa muse. C'était flatteur au début, mais cet homme est vraiment trop bizarre, même pour moi. Il vous fallait autre chose. Parlez-moi de vous. Mon sujet préféré. Pour faire court, mon chou, je suis la meilleure actrice au monde. Lorsque cette crise internationale sera terminée, je reviendrai sur le grand écran pour conduire le monde vers un nouvel âge du cinéma. Il vous fallait autre chose. Peut-être plus tard. Je reste ici, me languissant de votre manque d'attention. Salut, beauté. On vient écouter quelques Vous pensez qu'ils sont vraiment crus à la plage dans ce trou ? En écrire. Ouais, moi non plus. Pourquoi n'irions-nous pas regarder le soleil se coucher avec une bonne bouteille de vin ? Ça me paraît bien, détective. C'était génial, inspecteur. Mais ne prenons pas de telles habitudes. À plus tard. Ok, dites-moi ce que je peux faire. Salut, beauté. On vient... Salut, beauté. On vient écouter quelques histoires. Peut-être plus tard. Vous êtes adorable, inspecteur. Ce sont sans doute mes histoires. Peut-être plus tard. Je reste ici. Odieux meurtre. J'ai trouvé la preuve qu'Ezra vous escroquait, vous et les autres investisseurs. Oh, je ne pense pas que Monsieur Parker pourrait faire une chose pareille, j'en suis sûre. Je pense que vous êtes la véritable meurtrière. C'est n'importe quoi, détective. Pourquoi aurais-je voulu tuer Monsieur Parker ? Ezra a détourné votre argent. Et c'est pour ça que vous l'avez tué et fait porter le chapeau à Kiss. Vous y étiez presque, détective. C'est dommage. Je pensais pouvoir continuer encore un peu. Enfin, je suppose que cette ruse devait bien finir à un moment ou à un autre. Il n'est pas nécessaire que ça se termine en bain de sang, détective. Vous partez, je m'en vais, et vous leur dites que je me suis échappé. Pourquoi avez-vous tué Juliana ? Ce n'était pas prévu, mais Juliana a découvert ce que je préparais, et j'ai dû l'éliminer rapidement. Je pensais pouvoir me faire encore un peu de fric avant de me barrer d'ici. Que choisissez-vous, détective ? Devenir riche avec moi, ou mourir pour défendre des idéaux archaïques ?
aucune chance. Votre folie meurtrière s'arrête ici. Alors finissons-en. Bonne manière de faire bouillonner mon équipe froide. C'était Ezra. Il a tué Juliana, puis a pris sa place pour brouiller les pistes. Ça alors? Je n'aurais jamais cru Monsieur Parker capable d'une chose pareille. Qu'a-t-il dit lorsque vous êtes allé le voir? C'est vraiment important? Évidemment que c'est important. Cet homme est un assassin. On doit savoir s'il court toujours. Il m'a attaqué. Mais c'est fini maintenant. Vos résidents ne craignent plus rien. Tenez, détective. Une récompense pour vos services et un petit bonus pour avoir dévoilé un complot aussi ignoble. On n'aurait jamais réussi sans vous.